Salut, c'est Thomas, Français Immersion TV. En ce moment-là, je suis en Espagne. Et ici, en Espagne, nous sommes en estado de alarma. Estado de alarma. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de sortir de la maison. No, no. Ici, on dit quédate en casa, reste à la maison. On doit rester à la maison, on n'a pas le droit de sortir. On a juste le droit de sortir pour aller acheter à manger. Du pain, de la farine, des légumes, du poisson. On a le droit aussi de sortir pour aller à la banque pour chercher de l'argent. On peut aussi sortir son chien pour qu'il fasse son petit caca et pipi. Mais nous, les humains, on ne peut pas sortir. Même pour aller courir, on ne peut pas sortir. Et moi, j'ai un gros problème. Un gros problème parce que j'ai grossi. Et si je reste ici, à la maison, sans rien faire, sans faire de sport, je vais devenir encore plus gros. Et ça, là, je veux l'éliminer. La solution, c'est de faire des exercices ici, à la maison. Et c'est là que j'ai pensé à toi. Je me suis dit que peut-être que toi aussi, tu es coincé chez toi, à la maison, et tu n'as pas le droit de sortir. Ce que je te propose, c'est faire du sport avec moi, et en même temps, on va faire du français. C'est bon? T'es prêt? C'est parti! Ce qu'il te faut, c'est une paire de baskets, un t-shirt, un jogging ou un short et de l'eau. On va faire de la place. On y va. On s'échauffe. S'échauffer, ça veut dire préparer son corps. Ça veut dire qu'on élève progressivement la température de son corps. On trottine. Alors, je ne suis pas professeur de sport, je ne suis pas coach de fitness, mais je suis coach de français. Alors, on va faire du sport et on va faire du français. Alors, le premier exercice, c'est compter. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, plus vite. 11, 13, 15. 16, 17. Ça, ce sont les genoux. Les genoux. Quatre-vingt-cinq. 90, 99, super, on souffle, très bien, je remets le tapis, alors là les exercices, on va faire des exercices de 30 secondes. On va faire des exercices pendant 30 secondes et 30 secondes de pause. Une pause pour boire. C'est bon? T'es prêt? Allez, on va mettre le chronomètre. Et je prépare pour les secondes.
Je mets là. Alors, dans cet exercice, on va faire comme ça, comme si on s'asseyait, comme si on allait sur le WC. Ok? Comme ça. En sortant bien les fesses. Très bien. Ok? Pendant 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes, on va réviser les participes passés. On va conjuguer au passé composé en se concentrant sur le participe passé des verbes irréguliers. D'accord? Par exemple, ma bouteille d'eau, ma gourde. Là. Au présent, je bois. Au passé composé, j'ai bu. Ok, le participe passé de boire, c'est bu. Ok, alors on va faire des exercices et en même temps, on va conjuguer au passé composé. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Comprendre. Je comprends. Au passé composé, je comprends. 30 secondes. Allez. Alors, maintenant, on va faire 30 secondes de pause. Ok? Réfléchis. Ok? Comprendre. J'ai compris. Excellent. J'ai compris. Alors, pendant ces 30 secondes, on en profite pour boire. Là, j'ai pas soif. Pour souffler. Allez, c'est reparti pour de nouveau 30 secondes d'exercice. Allez, c'est parti. Le même exercice. On peut aller plus vite. Écrire. Nous écrivons. Nous écrivons. Au passé composé, c'est. T'as trouvé? 30 secondes pour souffler. Nous avons écrit. Excellent. Très bien. Il reste encore 15 secondes. Et on va faire encore le même exercice. Alors, très bien. Allez, c'est parti. Croire. Croire. Vous. Vous croyez au présent. Vous croyez au passé composé. On réfléchit. Au passé composé, vous avez cru. Très bien. Le participe passé de croire, c'est cru. Excellent, très bien. Ça va? Ça te plaît? Maintenant, on va changer d'exercice et on va monter les genoux. Regarde. On monte les genoux. Très bien. Alors le verbe c'est mourir, mourir. Il meurt,
Au présent, il meurt. Au passé composé, il... Réfléchis. Pendant ce temps, prends ton souffle. Il est mort. Très bien. Et là, on utilise l'auxiliaire être. Il est mort. Mort, c'est le participe passé de mourir. Excellent. Très bien. On va continuer à monter les genoux. C'est bon? T'es chaud? On continue. On monte les genoux. Bien droit. Naître. Il naît. Il naît au présent. Au passé composé. Il... Très bien. Il est né. Il est né. Excellent. Allez, on va faire la troisième fois en montant les genoux. Moi, je commence à chauffer. Allez. T'es prêt? C'est parti dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. 30 secondes. On va cette fois-ci faire le verbe prendre. Il au pluriel. Ils prennent. Et là, je monte bien les genoux. Ils prennent au passé composé. Ils. C'est un verbe irrégulier. Allez. Prendre au passé composé. C'est quoi? Ils ont pris. Pris, c'est le participe passé de prendre. Allez, on continue et on va faire un autre exercice. Allez, c'est parti pour 30 secondes. Apprendre. Tu apprends. Tu apprends au passé composé. Tu. Tu as appris. Excellent. Tu as appris. Appris, c'est le participe passé de d'apprendre. D'apprendre. Très bien. Ok. Moi, je commence à transpirer. Excellent. On va faire le même exercice. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est 0. On continue. Couvrir. Elle couvre. Elle couvre. Alors, au passé composé, elle couvre. Elle couvre. Alors, singulier, hein? Au singulier, elle couvre. Troisième personne du singulier. Ok? Elle couvre. Elle couvre au passé composé, c'est elle a couvert. Elle a couvert. Couvert, c'est le participe passé de couvrir. Super. On va faire pour la troisième fois le même exercice. Allez. T'es prêt?
Tu n'es pas ? Ok. Un verbe irrégulier. Dire. Vous dites. Vous dites au présent. Au passé composé. Le verbe dire. Passé composé, vous avez dit. Très bien. Vous avez dit. Excellent. Et là, on va faire le premier exercice. Rappel, on fléchit comme pour aller aux toilettes. Ok, en sortant bien les fesses. Excellent. On peut faire aussi comme ça. Ok, comme vous voulez, comme tu veux. Excellent, allez. On fléchit. Et le verbe, c'est être. Je suis. Je suis au passé composé. C'est. Oh non, c'est pas fini. C'est. J'ai été. Très bien. J'ai été. Été, c'est le participe passé d'être. J'ai été. Tu as été. Il a été. Nous avons été. Été, participe passé du verbe être. Très bien. On a encore 5 secondes pour souffler et on va faire le même exercice. C'est parti. Mettre. Nous mettons. Nous mettons. Au passé composé. Nous mettons au passé composé. Réfléchis. Nous avons mis. Excellent. Mis, c'est le participe passé de mettre. Très bien. Voilà. Je vais boire. C'est bon? C'est parti, on continue. Offrir. Elles offrent. Elles offrent un cadeau. Elles offrent. Donc là, on est au pluriel. Hein? Elles offrent. Au passé composé, elles. Au pluriel, elles. Super. Elles ont offert. Offert, c'est le participe passé du verbe offrir. Elles ont offert. Super. On continue. On va faire l'exercice suivant où on monte les genoux. Allez. Souffle. Très bien. Moi, je réfléchis pour le participe passé suivant. Allez, on monte les genoux. Super, comme ça. Le corps bien droit. Peindre. Peindre. Tu peins.
tu peins, ok, tu peins au présent et au passé composé, tu... Au passé composé, tu... Tu as peint. Excellent. Tu as peint. Peint, c'est le participe passé du verbe peindre. Je ne sais pas si toi tu aimes peindre, ok? Dis-le moi dans les commentaires. Allez, mais après l'exercice, ok? Alors ne me juge pas, je ne suis pas du tout prof de gym, je l'ai déjà dit, ok? L'objectif c'est de bouger et de faire du français, ok? C'est important, bouger. Allez, on remonte. On monte. On va utiliser le verbe vouloir avec une phrase où je peux dire aussi les présidents, les autorités veulent que nous restions à la maison. Ils veulent au passé composé. Ils veulent au passé composé, c'est... Ils ont voulu. Ok, génial. Ils ont voulu. Allez, on souffle. Et dans 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour le troisième exercice. Ok, on écarte les jambes. Ok, et on croise comme ça. Venir, ok? Tu viens au présent et au passé composé, tu viens au passé composé, quel est l'auxiliaire? Non, quel est le participe passé de venir? Le participe passé de venir, c'est venu. Je suis venu, ok? Et là, on utilise l'auxiliaire être, parce que venir, c'est un verbe de déplacement. Venir toujours avec être au passé composé. Ok? Je suis venu, il est venu, nous sommes venus. Très bien. C'est bon? Ça va? Pas trop fatigué? Non, on n'est pas fatigué. Allez, on y va dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Suivre. Ok? Suivre. Je suis. Je suis quelqu'un. Je suis une personne. Ça, c'est au présent. Okay? Je suis. Le verbe suivre. Et suivre. Au passé composé, c'est j'ai suivi. Excellent. J'ai suivi. Le verbe suivre, le participe passé de suivre, c'est suivi. J'ai suivi. On remet le tapis. C'est parti. C'est avoir, vous avez, ok, vous avez de la chance, vous avez de la chance, et vous avez de la chance au passé composé, c'est vous avez eu de la chance. Le participe passé d'avoir, c'est eu. Vous avez eu de la chance. Ils ont eu à boire. Ok. Là, moi aussi,
Je vais boire. Ils ont eu à boire. Allez, c'est bon, ça te plaît? Si ça te plaît, mets un like, mets un commentaire, dis-moi ce que tu veux apprendre tout en faisant du sport. Allez, on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on reprend. Et on va utiliser le verbe connaître. Vous connaissez, ok? Vous connaissez la France. Vous connaissez la France et au passé composé, comment est-ce qu'on dit vous connaissez la France? Quel est le participe passé de connaître? C'est vous avez connu la France. Très bien. Vous avez connu la France. Connu, c'est le participe passé du verbe connaître. Super, excellent, très bien. Alors, j'aimerais que dans les commentaires tu me dises si tu as aimé cette vidéo, si tu veux que je refasse d'autres vidéos pour pratiquer ton français et aussi pour faire du sport. Ok, je répète, je ne suis pas du tout coach sportif et je crois que c'est bon, tu l'as remarqué. Mais l'objectif, c'est que l'on fasse du sport et que l'on fasse du sport ensemble. Très bien. Alors, n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux que je refasse des séances de... comment on peut appeler ça French sport ou non du français sportif. Ok. Si tu veux qu'on le fasse du français sportif ensemble, dis-le-moi dans les commentaires. Mets un like, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt. Ciao.